Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on va faire mon anniversaire en avance avec Lou. Parce que comme demain c'est mon anniversaire, Jocelyne m'a prévu une journée. Donc déjà là elle m'a dit ouais on va dans un endroit et tout, je connaissais pas du tout l'adresse, rien. Et du coup là on vient d'arriver dans un restaurant. Tout comme j'adore, là il y a plein de trucs. Attends c'est pas là les trucs. Mais bref. Juste là mais ça sera pas en fond. C'est la gamme. Et donc du coup voilà, je suis vraiment contente, genre tagine, couscous et tout, tout ce que je kiffe. Donc là c'est le premier truc de la journée, le reste je sais pas du tout ce que je vais faire. Donc j'ai trop hâte. Donc là on vient d'arriver dans un golf, donc je me suis dit qu'est-ce qu'on va venir faire dans un golf et tout. Je connaissais pas trop ici, mais c'est hyper genre mignon, calme, reposant. Regardez, je vous montre. Là, la petite terrasse où on attend, franchement c'est cute, on est vraiment tranquille. Et en fait du coup il y a un truc de fitness, massage et tout, donc du coup là on va se faire un massage. Je suis ma best life, donc je suis trop contente. Petit massage dans la journée, ça fait toujours du bien. Hein Lou? Ça me fait du bien. Donc bref voilà, trop contente. Et après je sais toujours pas ce qu'on va faire. Donc déjà je vous dirai après le massage comment ça s'est passé. Et voilà. Alors là franchement j'adore. On a nos deux petites tables de massage. Allez hop. On va se détendre. Donc clairement on vit notre best life. Enfin genre dans les alentours. T'as vu une des... Bon voilà, je suis trop contente. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Qu'est-ce que je pourrais vous dire à part merci, franchement. Genre, quand c'est mon anniversaire, bah, en fait, je pense à tout le monde. Genre, je pense à ma famille, à mes amis, mais genre grave à vous. Parce qu'en fait, j'ai 19 ans et j'en suis arrivée là aujourd'hui. J'ai eu mon permis aujourd'hui, déjà, je suis trop contente. Et si j'ai tout ça, on va dire, c'est grâce à vous, à mon âge. C'est un truc de ouf. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je vous aime trop et merci. Oui? Excusez-moi, faites devant! Ça va? Timothée. De quoi? Il y a Janine et Timothée. Où? Voilà, pour un pas. C'est quoi? C'est des spoons. Mais c'est pas trop choquant. C'est horrible. Maman. On dirait une patate, maman. Je sais pas. Alors aujourd'hui je vais faire plein de snaps parce que comme c'est mon anniversaire, je voulais partager avec vous tout ce que j'allais faire, voilà. Juste pour vous mettre dans le contexte, je sais pas du tout où je vais, je sais pas du tout avec qui, je sais pas ce que je vais faire de ma journée, demain non plus. Ensuite j'ai un voyage qui est organisé, je sais pas où, je sais pas quand, je sais rien. Donc voilà, je vous mettrai tout dans la GLC, au moins vous voyez un peu ce que je fais et tout. Et voilà, donc là j'attends. Parce que j'avais rendez-vous à 30 et je suis en avance. Enfin, non, je suis pas en avance. J'étais à l'heure et les autres sont en retard. Donc, on verra la suite. Je vous tiens au courant. Donc, le temps d'attendre tout le monde, je vais vous faire des petits snaps. Je vais vous parler. En fait, chaque année, mon anniversaire, il y a toujours genre plein de surprises, plein de trucs. Et j'arrive à en cramer et tout. Parce que ma sœur, Jazz et ma mère,
Elles aiment trop ça. Elles aiment trop faire l'anniversaire, surprise, machin, truc. C'est une dinguerie. Genre, à chaque fois, je vous jure, elles me font des trop bons anniversaires. Donc, du coup, quand même, quand j'étais petite et tout, des jeux de fou, bref, voilà. Et là, cette année, bon, malheureusement, Jazz, elle est pas là et tout, mais bon, en même temps, c'est mes 19 ans. Enfin, genre, c'est pas un anniversaire, genre, c'est pas 20 ans ou 18 ans, genre, 19 ans, c'est un peu, genre, rené comme âge, genre, je sais pas comment dire, genre, c'est pas, on dirait que c'est pas un anniversaire, genre, je sais pas comment dire. Enfin, moi, pour moi, en tout cas. Bref, et donc, du coup, et là, cette année, c'est la seule année où je crame zéro surprise. Genre, je sais vraiment, mais zéro de ce qu'on va faire. Je vous jure. Vraiment, d'habitude, je crame des petits trucs parce que ma mère, elle dit un mot, donc je crame. Ma sœur, elle dit. En plus de ça, je connais tellement par cœur ma mère et ma sœur que du coup, j'arrivais toujours à cramer un truc. Là, c'est mes copines qui ont fait mon anniversaire. J'imagine un peu avec ma mère aussi. Et avec Isaac, ils ont tout préparé. Et mes copines et mes potes, enfin, tous mes potes, genre mes copines, copains, je sais pas qui c'est qui a fait quoi. Mais cette année, je vous jure, j'ai réussi à rien cramer. J'ai pas réussi. Après, il y a des trucs où j'aurais pu, genre, cramer, chercher et tout, parce que, genre, regarder sur mes adresses mail, regarder, fouiller dans les téléphones et tout. Mais ça, après, c'est, genre, mauvais joueur, je trouve. Genre, mais j'aime trop à chaque fois cramer. Genre, comme pour Noël, je cherche mes cadeaux, truc, mais je vais jamais tricher à aller fouiller dans les sacs sous le sapin, vous voyez. Donc du coup voilà, donc là j'attends et puis vous allez voir de toute façon, découvrir avec moi parce que je sais vraiment, vraiment, vraiment pas ce que je vais faire. Donc au final du coup je viens d'arriver et en fait il y a toute ma famille qui est là avec mon équipe là-bas. Donc je suis grave contente, je m'attendais pas du tout. Je suis trop happy. La mamou, la copine, les amis, les babous, les la petite birthday girl. On n'est pas Eva Queen aujourd'hui, d'accord? Pas de Queen, que de l'Eva. Nono, Jojo, les frères et sœurs, la famille. 10h30, toujours en train de dire des bêtises. Non mais la meuf, même le jour de son anniversaire, elle mange des penne à la sauce tomate toute sa vie. Comme papa. Non, papa, c'est piquant. À la rabiata. En fait, on a plein de surprises pour elle. Elle est au courant de rien. Du coup, on va tout vous montrer. On accroche. Avec Zaku, on a tout organisé. Ça va être trop génial. Non, découvre l'hélium. Happy birthday. Ça, c'est ton anniversaire. C'est ton anniversaire. Donc il y a des gens qui psychosent, apparemment ils emmènent leur shit pour le corona. C'est vrai qu'il faut faire attention, mais rester un peu relatif. Et plein d'Eva pour son anniversaire, manger des pâtes à sauce tomate, très original, comme d'habitude, hein, c'est pas caviar, langouste, non, c'est pâtes à la sauce tomate. C'est quoi les plats d'anniversaire? Vas-y, refais. Refais. Alors, tu avales?
Bah oui, t'es obligé. Le dos, Sandra. Tu vas bien? Tu dis tu vas bien? Tu vas bien? Tu vas bien? Bien. Si on pouvait vivre avec ça. Non, pas vivre avec ça. Surprise! 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 Bien.